sa mère. Il est beau. Oh, je vais en chier sa race tellement. Je vais avoir mal. Balance l'onde folie, s'il te plaît. Non. Ça fait pas les biens. C'est pas les biens, pas les biens. Ça fait écouter du turbo négro des gens innocents. C'est marrant de faire écouter des trucs à des gens innocents. Fous-moi la paix. Après, il pleure. Oh, mais Spectrum niveau 23 il va me faire tellement mal. Poudre dodo. Lance les choux. Vas-y, lâche-moi. Allez. Oui, poudre dodo, ça marche. Okay. Allez, fais dodo. Ça weave jamais, poudre dodo? Si, c'est 70%, je crois. Là, du coup, j'ai le paume de pique qui est safe. Il fait un somme. Oh putain, c'est bon, là, je l'ai tué. Là, tu l'OS. Avec le tonnerre. Le tonnerre dans sa legue. Ah. Il fait encore un c'est bon, tout va bien. Non, de toute façon, il se serait réveillé, il pourrait pas m'attaquer. Parce qu'il se réveillerait juste. Ouais. Je fais l'éclair pour le finir. Voilà. Hop là. Ça fait de l'XP, c'est bien ça. Chine a vaincu l'exorciste. Ouais. Ouais, il t'a un petit peu fait stresser quand même. En fait, quand j'ai vu Spectrum, c'est ça que j'ai pas fait le fier. Hein. Pas mentir quand même. Y en a plein des trucs. Ton inventaire est plein. Oh, chier. Alors, objet, qu'est-ce que je peux jeter? Guérison. Ah, mais les guérisons, c'est bien. T'es dit, c'est quoi? Clé As, j'en ai plus besoin. Pourquoi j'ai ça sur moi? Rappel, j'ai jamais besoin de rappel. Corde sortie. Est-ce que je jette la corde? Je jette la corde sortie. Hop. Et puis je vais conseiller aussi le dernier album de Symphonix, il est sorti il y a pas longtemps. Écoutez, ça c'est bien. Ah bah voilà, regarde, j'ai une datune en plus, c'est cool. Ouh! Fouillez pour l'Omi, le mal est parmi nous. Absolument. Elle veut faire appel à un Spectrum. Et comme maintenant je connais la strat, j'ai plus peur. Ah, ça je vais pas kiffer, je pense. Ouch. Voilà. Et ce bras. Ah ouais, ça j'allais vraiment pas kiffer. On envoie la ganja qui va l'endormir et après on enverra. Ouais, ça a droppé un peu, dis donc. Hein. On a pas des images? Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Il sent mieux, ils me font de folie, mais non. Oh. Ah, je suis fou. La poudre dodo, comme ça tu pionces, on est bien, on change les Pokémon, on est bon de pille. On pourrait remettre Fantominus, mais j'ai un petit peu peur en fait que l'autre se réveille et me pète la gueule. C'est un peu le risque que j'ai. Je suis en train de percuter qu'en fait, au niveau du chat, il s'est passé qu'on est parti d'un truc un peu gentil, Star Bomb, t'as parlé de jeux vidéo. Après on est passé sur du Ninja Sex Party. Où ça parle majoritairement de cul, même si, mais ça reste drôle, ça reste gentil. Après, je fais tiens, on va passer sur du Symphonix. Symphonix, c'est du métal, mais c'est gentil quand même. Ouais. Voilà, ça reste du métal, c'est la mélodie. Et là, Thalazar fait une soie, sinon il y a le dernier Lamb of God. Bah. Ouais. Complètement, ouais, faut écouter. Je connais pas. Un peu plus de couilles. Ouais, bah j'écouterai alors. En avant, Petfouf! Oh bah là tu vas le péter le Fantominus là. Un pet de fou. Là tu l'ouvres là. Moi j'aimerais bien avoir un Spectrum avant la fin de la tour Pokémon. Il évolue au niveau combien? Je sais plus, 28 je crois. Voilà, le petit soin. Je sais, c'est salaud, c'est dégueulasse, vous m'insultez, je le sais. Je m'en fous. On va regarder pet de fou au premier. Est-ce que tu aurais un Fantominus zombie? Ok, toi-même. En plus il y a une faute. Non, marqué zombie avec un i. Bah oui, ça s'écrit comme ça au départ. Ouais. Ouais. Y'a pas un e? Non. D'accord. C'est une orthographe acceptable. D'accord, c'est acceptable. Ok, merci maître Capello. Oui, faut plus soyer le Symphonix parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il était vachement bien. Mais vachement bien. Oh là les choux qui a me saoulé. Fous-moi la paix. C'est très efficace. Oh cool, il m'a pas paralysé. La ténèbre hein, pour finir le boulot. Voilà. Et eh ben c'est cool, le Fantominus il commence à avoir un peu de pêche. Hein. Là il commence à mettre les psychos comme il faut. Hein.
On va essayer de d'XP encore un peu. Alors le P de fou, Plastat, paf paf, il masse combien? Oh mais prochain niveau 25, cool. Eh attends, je reviens. Bah vas-y, je continue tout seul. Meuble. Alors je meuble, bah, je discutais comme d'habitude, hein, comme quand j'ai fait quand j'étais tout seul. Alors, je vais grinder un petit peu. Il y a besoin d'XP pour le P de fouf. Parce qu'un P de fouf à XP, c'est un P de fouf qui peut tuer. Ça c'est beau. Alors, on va lui mettre le psycho, on va le calmer. Genre, t'es plus rapide que moi. Ouais, niveau 24, effectivement. Ça va pas faire du bien ça. Oula, non. Oula, non. Ikea! Ah, pour le meuble. Ouh, le coup critique, c'est bruit ça. Voilà, hop, c'est KO, c'est pète fou, c'est niveau 25. Je sais pas quel niveau il évolue, pète fou. Par contre, il est super rapide. Hein, hein. Ah, bah ça y est, il évolue. Niveau 25. J'ai un pète pouf qui va évoluer. Pète pouf, il va évoluer. Voilà. Pète pouf évolue en spectrum. Et là, c'est fini. Là, j'ouvre tout le jeu. Un pète fouf qui évolue un double pète fouf. C'est ça, un gros pète fouf. Re. Ça parle le truc des grâces. Par contre, j'ai pas l'impression que ça a changé beaucoup dans les stats. Ah, Spectrum a une méga langue. Il a des dents aussi, par contre, ça croque. Je le remets en Speculum. Les gens qui demandent de renommer les Pokémon, ils ont le droit de demander que s'ils sont sur le chat. Non, non. On pourrait l'appeler Specuni aussi. La petite aussi. Voix est sur le chat. Foireux, c'est pas mal. On pourrait l'appeler Specuni. Specuni, c'est pas mal. Specuni, comme il a une langue. Et donc, y a pas moyen de faire. De simuler un échange dans le jeu. Donc, je regarde, mais. Ah, c'est technique, hein. Speculum. J'aime beaucoup le spray de Petfouf à l'envers comme ça. C'est une grosse tâche. Bah oui, toi j'aime bien. Hop, on gagne encore un peu de vie. Vous pénétrez une zone sanctuaire, les Pokémon de Chine sont soignés. Ils sont soignés, c'est bien. C'est sur gratos. Ah non, mais c'est sur gratos. Moi je m'en fous là, j'ai complètement aucun... God of Lore. J'ai aucun scrupule à le faire. Ah ouais. Parce que de toute façon, derrière, je vais me faire ouvrir par tous les champions de la Terre. Alors par contre, je vous annonce ce soir, c'est pas dit qu'on voit un mec, hein. C'est pas dit qu'on voit un champion. Hein. Ah ouais, on va se faire chier. C'est pas dit. Par contre, quand on en verra un, on en verra deux. Et en fait, je vais essayer d'en enchaîner deux. Et je pense qu'il faudrait que je fasse des petits streams plus longs, parce que 2 heures, c'est peut-être pas assez long. C'est light. Voilà. Et la dernière fois, t'avais fait un stream infini. Bah, il a duré juste 3 heures. J'étais un peu fatigué parce que c'était minuit, mais peut-être le prendre un peu plus tôt, je sais pas. Ah bah là, par contre, 2 heures, c'est un minimum. Un maximum. Ouais. Parce que là, avec le dos en compote, c'est difficile. Bah non, pas de champion en fait, pour la simple et bonne et unique raison. La simple, bonne et unique raison. Que là, en gros, les deux champions qui vont tomber sous le coin de la tronche, il faut avoir de quoi les buter. Celui poison, je pouvais le buter avec Tréopiqueur, malheureusement, il a succombé face à celle de plante. Parce que oui, j'étais suffisamment con pour placer un Tréopiqueur face à un champion de plante, parce que voilà, quand même, mon niveau se situe là. Et sinon, après, c'est Morgane. Et Morgane, c'est du psy. Alors, si c'est pour me faire ouvrir Ganja, et c'est pour me faire ouvrir. Déodorant. Bon, après, tu me diras, c'est vrai que j'ai un peu de fouf aussi, les poisons. C'est pour me faire OS la moitié de ma team, je vois pas l'intérêt. Qu'est-ce que j'ai fait pour broyer le dos? Je me suis réveillé lundi et j'avais mal au dos. C'est tout. Aucune idée. Oh, j'ai pas tué l'osselet. Il va me faire tellement mal. Ouch. Elle m'a eu 1000 barres quoi. Bam, mange mon os dans ton... C'est pas grave, il me file de l'XP. Au pire, il y a les petites dalles de carrelage qui me soignent. Voilà, Fantomie sauvage apparaît, niveau 19. Après on va rusher, hein, pas de problème, on va rusher. Bah ouais, mais je dors dans un broie d'eau, mais je fais ce que je peux aussi. Respecter les gens qui dorment. C'est parce que à force de faire des streams et d'acheter des périphériques de capture, on est pauvre. Donc tout ce qu'on peut avoir pour dormir, c'est des broies d'eau. C'est ça. C'est rigolo comme mot, broie d'eau. Ouais.
tout ça pourrait être le nom d'un Pokémon. Ou alors c'est Broly, parce qu'il broie le dos quand même, broyer c'est bro Broly. Broly. Ça va. Ah oui. Ça va quoi. Vachement loin, mais en fait. Si ça va vachement loin, mais pourquoi pas. Ah, pourquoi pas. J'aime ton pourquoi pas. On va mettre Cookerapus pour ouvrir un Osflay. Il cherche sa mère et ben je vais le buter. Ça la pète un peu le Osflay, moi je dirais. En plus, il loupe. Il whiff ses coups. Oh, les bubules, les bubules, les bubules, les bubules. Un Broly. Voilà, le retour du Broly, c'est ça. Cookerapus en. Non, ok. Alors, par contre, j'espère, et de toute façon, je pense que ce sera le cas, on verra une évolution de Tortank. En Tortank, je veux dire. On verra Cookerapus devenir un Tortank. Mais, t'as Pascal qui essaie de te soutenir un petit peu tant qu'il peut. Sur ta vanne. Non, mais c'est gentil, c'est gentil. C'est la gentillesse. Mais t'as raison, parce que ma vanne est excellente. Ma blague est géniale. Et Shonkal, il est toujours là? Et il était présent là sur le chat? Ouais, il disait qu'il passait sa vie sur nos VOD. Et GG. Ah non, j'ai confondu, je voulais dire GG. Et GG, il est là? Ouais, ah, il est là, mais est-ce qu'il est toujours là? Là, c'est soigné. Alors, Pokémon. Je vais mettre Cookerapus, parce que je pense que lui aussi a un petit peu besoin de soutien. Par contre, il y a aussi Saint-Germain à faire XP. Faudra que je regarde quand est-ce que Saint-Germain récupérera une attaque de type. Combat. Non, absolument! Parce que ça va être super intéressant d'avoir un Pokémon type combat avec des attaques de type combat. Arrivé à un moment donné, ça va être génial. Ah ouais, c'est éclaté. Ah, il y a des Spectrum comme ça! Et les plus rapides que moi, il me fait mal. Et paralysé, comme d'habitude. Parce que quelque part, quand t'es pas paralysé, bah tu rigoles pas. Ah, par contre, je lui fais tellement pas de mal. Oh là là. Elle va faire 26 PV. Back. Ah ouais, c'est comme ça. Et bulle, voilà. Allez, 26 PV dans ma gueule, une super potion gratuite. C'est dur de jouer à Pokémon, vous vous rendez pas compte, hein. Bah surtout avec ces conditions. Quand vous avez un Spectrum qui vous tombe sur le coin de la gueule, oui, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Pas très très bien. Non, malheureusement. Alors, par contre, je pense que je vais manquer d'antipara quand même. Alors, je peux bouger, ça c'est une bonne nouvelle. Je vais mettre une eau fraîche. Voilà. Par contre, que j'aurais quand même pu me faire wipe par un Pokémon sauvage. Tu vois un peu le stress où ici. Ah ouais, tu non, mais ils attendent que ça, le chat. Que je me fasse wipe. Alors, remarque, c'est bien parce que si je me fais wipe, je me casse, hein, je passe à Pokémon en argent. Il faudra qu'on teste si l'horloge tourne en même temps avec ton PC. Voir s'il y a moyen de faire. Y a moyen, ouais. Parce que du coup, je pourrais caler la première heure de jour, la deuxième heure de nuit. Bon, je raterai le matin, mais au moins. Par contre, je pense que c'était un petit peu con d'avoir fait ça, d'avoir traîné mon Cookerapus. Parce que je pourrais éventuellement aller directement soigner dans la dalle. Au sanctuaire. La dalle sanctuaire. Voilà. Ouh, ouais, c'est dur là, je suis en train de partir là. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est la bière. C'est pas moi, c'est la bière. J'ai fait plein de configurations cet après-midi là, ça m'a fatigué. Ah, j'ai tout essayé, hein. J'ai essayé de mettre mon téléphone. Alors, il y a trois modes de connectivité pour mettre ton téléphone en tant que modem. Tu peux le mettre en USB, tu peux le mettre en Wi-Fi, tu peux le mettre en Bluetooth. J'ai mis en Bluetooth, mais en fait, mon Bluetooth, il fait faire des blue screens à mon PC. Je l'ai mis en Wi-Fi. Ça marchait jusqu'à ce que mon dongle Wi-Fi fasse faire des blue screens à mon PC. Donc, du coup, je pars du principe que c'est ce port USB-là, il est pas cool. Du coup, je l'ai mis en USB sur le même port USB qui fait des blue screen. Il a pas fait blue screen, mais c'est pas stable à 4G. En plus, ça pour ça quoi. Donc, du coup, ça a pas marché. Après, j'ai essayé de mettre les consoles sur la 4G pour pouvoir qu'elles soient sur une autre connexion que ma connexion de base pour qu'on puisse être en multi, mais ça marche pas. Mais de fouf, niveau 27. Je peux pas rentrer dans un match. Alors, le spécial qui fait mal. Ben voilà.
Ça, c'est ma vie. Non, il est bien, hein, le périphérique de quête. Ouais. Je crois qu'on le teste. On pourra le tester le mardi. Bah, faut que je le configure. Je le configure à l'infini. J'ai essayé en full screen, c'est dégueulasse. Ouais, faut qu'on reste sur une résolution assez faible. Bah, mais là, tu dis que ça reste du 4 tiers, là, ça reste assez lisible. Et du 16-9, bah, en fait, t'as toute la largeur qui est ok, mais en fait, t'as au moins la moitié de la hauteur qui est pas prise. Ah, c'est pour ça que tu veux faire une layout 16-9ème. C'est pour ça que j'ai voulu faire une layout 16-9ème, sauf bon, que bah. Je vais la tester, elle. En 480p, encodé proprement, c'est chaud. Trouverai un truc. Je pense que après ce stream là, je continuerai à essayer quelques petites configurations. D'ailleurs, je vais passer sur la stream, sur la chaîne de test en fait, de spammer la chaîne ouais, normal cast. Normal cast, ouais. J'avais la flemme de la configurer parce que je voulais prendre un truc. En fait, j'aurais bien fait du Splatoon ce soir en fait. En stream. Ouais. Et même que la connaît. Ah oui, parce que tu voulais justement connecter un. Ouais, j'avais des strats de malgache, mais ça marche pas. Vous vous rendez compte du mal que je me donne pour vous? Et si j'amène ma box? C'est la résolution du tiers monde. Si tu ramènes ta box, non, il faudrait une autre ligne. Mais ça, il faudrait une autre ligne téléphonique. Il faudrait qu'elle soit raccordée. Et si tu demandais la clé wifi de ton voisin? Ouais. Ouais, mais c'est délicat, les mecs tu les connais pas, tu leur fais ah, est-ce que je pourrais squatter votre wifi un peu de temps en temps? C'est un peu bizarre, non? Bah, paye un coup un apéro à ton voisin et puis voilà. Mais là, y'a des gens, ils parlent pas la langue, là c'est une famille. Ah oui? Ils sont gentils, mais. Non, mais en plus, t'as des sans-papiers, là. Ça veut rien dire. C'est bizarre. Non, je sais pas, je crois que je suis un petit peu le dos au mur. Non, j'ai fait un léchouille. C'est la détresse. J'ai fait une léchouille. Oh, c'est pas mal, on marque une léchouille aussi. Donc si vous avez des strats, disez-moi. Ouais, je crois que ça résume bien. Ouais, voilà, ouais, c'est clair. Ça n'existe pas, hormis... Bah non, je suis pour capter quelque chose. Donc le seul truc qui peut faire modem portatif, c'est le téléphone, quoi. Bah ouais. Alors, peut-être avec le tien, ça pourrait marcher, ça dépend comment il capte. Bah moi, je suis en H, moi. Full bar ou pas? Full bar, ça arrive, ouais. Genre là, je suis full... Ah, je suis 3 quarts bar, quand même. Ah, on pourra tester tout à l'heure. Alors que j'ai free, quand même. Ah, free, il y aura peut-être pas les restrictions, parce que ça se trouve, il y a un problème de port... Est-ce que je peux accéder dans ce platoon au menu du jeu, etc., aux nanas qui font les news, etc., mais dès que je veux rentrer dans une game, ça ne marche pas. Ouais? Non. Alors peut-être que chez Free, il y a moyen. Ouais. Voilà. Est-ce que Petfouf peut tuer un Fantominus avec une léchouille? Non! Voilà, on a la réponse. C'était non. Et en plus, l'autre essaie de m'embrouiller quand même, hein. T'as vu? Où? Je fuis. Et il a cherché à m'embrouiller, non. On m'embrouille pas, moi. Alors. Et ce sera le dernier combat avant la pause, je pense. Oh, c'est d'aller un petit peu plus loin, quand même. Ouais, y'a quelque chose plus loin. Ouais. J'aimerais arriver jusqu'à la mer... Enfin, un personnage que vous allez voir. No spoil. À la limite, quand on arrivera vers le personnage que vous allez voir, on pourra faire un cut qui fait un petit peu suspense. C'est ça. Alors, rendez-vous au prochain épisode. Tintin, la trilogie du samedi soir et tout. La trilogie du samedi, c'était très bien. Si vous aussi, vous avez aimé la trilogie du samedi, t'as peur. Hein. Ils comprendront pas pourquoi tu dis un, parce qu'en fait, ils auront ma voix. Mais plus tard. Ils vont voir, ils vont le voir. Ils sont pas cons, ils ont une mémoire, ils savent revenir dans le temps. Ah ouais, non mais on est dans le futur, nous. Alors, regarde, et là je suis bloqué, parce que mon inventaire est plein. Ah. Tu sais que la petite voix, elle est tellement omnisciente et omniprésente qu'elle est dans le futur par rapport à tout le monde. C'est quoi là-dedans? Elle contient Damoclès. Ah oui, je voulais le garder pour un de mes Pokémon. Qu'est-ce que ça fait, Damoclès? Ça fait mal. Ah. Est-ce que je peux jeter la clé d'ascenseur? Pourquoi je leur ai demandé de dire un, déjà? Ah, la trilogie du samedi soir. Ah ouais, non mais moi, je suis au taquet, moi. Y'a pas de problème. Ah mais j'ai pas cramé une eau fraîche comme ça. Là, il me lit, elle a le goût.
Au pire, je pourrais jeter mes rappels. Bah oui, t'en as strictement rien à branler, tes rappels. Je vais aller revendre. Adieu, rappel. Ah bah en plus, pour un super bonbon, ouais, c'est... Non, c'est cool en fait. Ah, Nuno aussi dit 1. Ouais, c'est la guerre des 1. La trilogie, quoi. Ouais, je regardais pas tellement quand j'étais petit, donc moi je t'appelais. Bah, moi, il y avait Buffy contre les vampires, donc forcément, je regardais. Évidemment, Cordelia. Team Willow aussi, ouais. Non, mais Cordelia dans Angel, je suis désolé, elle est stylée. Voilà. Et Angel, c'est carrément mieux que Buffy, alors que déjà Buffy, c'est bien. Bon, Angel, c'est mieux que Buffy. Ah ouais. 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 Ah ouais, non, mais carrément. Mais t'as le tech qui regardait lui aussi. Mais Angel, c'était pas sur la trilogie du samedi. Non, c'est pas. C'est le. C'est TF1 qui avait récupéré les droits. Et ils ont jamais passé la fin, ces fils de pute. Ouais, c'est un peu comme les mecs qui diffusent Arrow et Flash avec une saison de décalage qui fait qu'il y en a un qui se.